Pablo. T'as pas de chaîne ici, hein? Pablo. T'as pas ça fait. Pablo. Pablo, je pense que tu es une personne que j'apprécie bien. Pablo. Pablo. Oh, y'a quoi? Y'a quoi? Je suis obligé de te répondre. Je suis obligé de te répondre. Pardon, j'ai mes problèmes. Effectivement, c'est parce que tu as tes problèmes que je suis venu te voir. Hey. Ablo, c'est pas normal que toi, Ablo Diassa, celui-là même qui est connu dans cette avenue-là, il y a des problèmes et que moi je suis assis. Mais le monde je ne suis pas à résoudre tes problèmes. C'est comme si c'est non-assistance à personne en danger. Et là, c'est pas normal. Ablo, je voulais te dire quelque chose. Pour toi, je suis allé. Hey, je ne suis pas ta copine. Eh oui. Pas ta copine. Je suis pas ta copine. On va pas se quereller pour ça. Ablo Diassa, je suis parti chercher à te défendre auprès de la femme de Dieu. Oh non. Je suis allé te défendre corps et âme. Mais après, elle m'a dit tout ce qu'elle a fait de me dire. Toutes ces saletés, elle m'a dit. Mais j'ai réfléchi que Ablo Diassa, j'ai compris qu'il est temps que certaines choses que tu arrêtes. Tu sais, quand tu vas aller faire, tu vas aller prendre un pouvoir et puis te dire à tout le monde. C'est pas pour divulguer tes secrets. Faut pas dire à tout le monde. Parce que quand tu le dis, tu ne sais pas où sont les oiseaux de mauvaise aiguille. Les oiseaux de mauvaise aiguille, c'est ceux-là qui colportent les informations. Ils apportent, ils colportent les informations. Ils les envoient à l'endroit qui ne sont pas les endroits qui doivent être signés. Ah mais j'espère que tu me suis, non? Ça c'est un. Quand tu fais quelque chose comme je l'ai dit, ne dis pas à quelqu'un. Et puis une fois que tu es allé quelque part, que tu as eu ton pouvoir, il faut le garder jalousement. Il ne faut pas le dire. Le boss. Le boss. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir le boss. Bigan. Oui ça va. Mais, j'ai pas connu le gars là. C'est pas un souci. En fait le boss. Ce qui était dit là, c'est vrai, tu vois non, ça fait un peu longtemps, mais je suis venu, c'est une doléance en fait, tu vois non, c'est une doléance. Je veux que tu me donnes un peu, que la poche est pressée quoi, quelque chose pour que je puisse mettre sur moi, tu vois, c'est bon. Zach, tu vraiment, tu sollicites des choses au moins. Non, t'as venu combien, t'as venu combien? Bon, ce qui a suivi, hein, à partir de 10 000 pour aller devant moi. T'as venu combien? Même si tu me donnes 100 000, il est parti. 100 000. Mm-hmm. Bon, il va te mettre du bon. Le boss. Le boss. Allez, le bon maquin. On a des projets pour qui. Oui, effectivement. Mais laisse ça. C'est bon. C'est ma main aussi. Le cougnanke. Bon, au revoir, le boss. Faut pas oublier de faire la vie en partie. Je Pour la vie. Il va faire des coups. Mais il va faire des coups, il m'a crédit là. Non, faut gérer ça. Donc quoi? Crédit que tu me dois là, faut donner. Là que tu me dois là, je te dois combien? T'as oublié ou bien? Non, dis, je te dois combien? Tu connais ce que tu me dois, faut me donner? Ça fait combien de temps que je te dois pas? Maintenant, ton crédit là, d'abord, on ne parle de crédit là, c'est après 3 mois. Maintenant, je t'ai plus ton argent. T'as oublié? J'ai pris ton argent. Tu m'as promis aujourd'hui là. Faut donner. Parce que ton boss va faire des coups. T'as oublié ou bien? Je comprends. Parce que tu étais moisi. Tu sifflais les gens. J'ai dit bon, allons chez mon boss. Il m'a donné quelque chose. T'es dépanné. C'est devenu crédit. Voilà, ça c'est un crédit. Faut donner en même temps. Hey, j'ai oublié une chose. Tout à l'heure, quand je suis parti dans ton camp, il n'était pas trouvé là. Donc, quand il venait vers ici là, comment il s'appelle? Tant vérité, effectivement. Il m'a appelé, mais il a dit quelque chose, ça m'étonne. Il t'a dit quoi? Je crois que là, je ne crois pas. Il t'a dit quoi? Il dit, toi, tu es tombé sur. Il y a une nouvelle fille qui est venue, sa maman championne, sa nouvelle fille là, en fait. Voilà, moi, il est tombé sur. Tu es tombé sur elle? Sur la fille là. Oui. Elle est couchée, bien, je suis tombé sur elle, c'est quoi? Non. C'est-à-dire. Je t'explique le problème. Il faut m'expliquer parce que je ne comprends pas. La fille, tu l'as draguée et elle a refusé. Comme tu as porté tri, tu l'as raflé puis tu as pris 12 000. C'est la fille. Elle a pris. Écoute-moi. D'accord, faut terminer. Faut terminer. Tu ne veux plus. Non, faut terminer.
Et la fille en train de pleurer avec son agent. Tu as fini? Mm-hmm. C'est la fille là qui t'a dit ou bien c'est toi qui t'a dit ça? Il m'a appelé, c'est que c'est sérieux. Depuis que moi et toi on marche, est-ce qu'il y a une femme même à mettre dans ta poche? Mais tiens, quand tu me regardes, tu peux mettre ta main dans ma poche. En plus, c'est moi qui parle comme ça. Tu sais qui je suis quand même? Mm-hmm. Je te demande, est-ce qu'il y a une femme même à mettre dans ta poche? Bon, laissons tout ça. Ce qu'on va faire, la fille dit tu as pris ses 12 000. Moi, le problème, il veut qu'on règle. Il veut... Tu es militaire, il veut que ton nom se salue dans okay, le quartier. Je vais te dire comment ça se passe. Uh-huh. La fille est en train de passer devant moi, elle ne me salue pas. Je l'ai appelée. Je demande sa pièce. Elle dit les nouvelles dans ce quartier, Ibrahim. Je dis seulement, on fait la sécurité au quartier ici. Donc, elle est renflée. Quand elle dit elle est renflée, sa pièce, elle me donne une pièce de 100 francs. 100 francs est devenu 12 000. Comment ça peut aller? 100 francs. Je vais appeler maintenant. 100 francs là. Il a donné 100 francs. Mais s'il attend. Eh my God, je ne sais pas ce qu'il y a d'accord. S'il attend qu'elle parle de moi encore aux gens, c'est qu'il veut la faire. 100 francs là, il veut la donner. Mais ce qu'elle a dit là, c'est faux. 12 000 mois. C'est une pièce de 100 francs maintenant. Il faut la voir. On n'a qu'à te dire la vérité. Tu sais pourquoi il dit, les gars? J'ai honte à ta place. Tu es un grand militaire. Tu prends 100 francs. Allons, c'est bon. On parle plus de ça, c'est bon. Alors. Ça me fait mal. C'est pas grave. Ça, c'est le dur. De toi, Ablo Diassa, tu vois, tu as expérimenté le côté mystique. Hey. Ça n'a pas marché. Tu as expérimenté le côté fétichiste. Ça n'a pas marché. Tu as expérimenté le côté religieux. Ça n'a pas marché. Non. Est-ce qu'il ne faille pas que tu réfléchisses à un autre côté pour ne pas qu'il y ait de la bimbalicité? Allô, tu sais que tu es une personne que j'affectionne bien. Mais le métier dans lequel tu es dedans là, c'est un peu de la pacoturgie. Eh oui! T'as compris ce que j'ai dit? Allô, j'ai l'impression que je prêche dans le désert. C'est pas du désert, c'est dans la forêt sacrée. Tu vois? Ça me fait plaisir, ce plaisir ben mystique que tu me donnes, ce plaisir notamier. Le monde part en couille. Quand tu souris, Abou, tu as besoin, tu es une personne qui a besoin de joie. Ne laisse pas les mauvaises personnes te mettre dans ce que je pourrais appeler. Prête-moi le mot. Excuse-moi, je sais que tu es quelqu'un que intellectuellement tu n'es pas calé. Tu as besoin d'être une personne à ta couette. Non. Mablo, tu ne dis pas mot. Tu ne veux que parler sur. Ça veut dire on ne peut plus les imbéciles par le silence. Justement. Et heureusement que tu m'as parlé, ça veut dire que je ne suis pas un imbécile. Tu m'as parlé. C'est tellement important. On écoute les imbéciles par le silence. Les imbéciles aussi écoutent par le silence. Pas tout, va pour tu. C'est moi immédiatement parlé. Va pour tu. Tu es le gars d'aujourd'hui là. Va pour tu. Mon coup, là, mon problème là, c'est trop. C'est trop. Faut pas venir ajouter pour toi là sur moi. Parce que quand toi t'as joué pour toi là sur moi, je pourrais plus marcher. Ça serait plus lourd que moi. Pardon, laisse-moi où je suis là. Et puis tu dis, moi je dis mes secrets aux gens. Il a dit à 15 ans. Mes secrets là, qui? Mystique quoi, c'est pas ton problème. Moi je dis mes secrets à qui? À qui? Non, je n'ai pas dit te dire ton secret à quelqu'un. Je veux te dire quoi? Qu'un homme normal doit avoir un secret. Mais toi, quand tu vas aller faire quelque chose, tu vas la tourner. Mais je vais te dire, affaire de vieux Brahma, là, c'est pas encore fini. Hein. Faut le dire ça. Comme tu habites là-bas, faut dire vieux Brahma. Vieux Brahma, ami, sa fille Myriam, elle est toc-toc là. Je ne vais pas regarder par elle, elle est toc-toc. Hein. Faut le dire. Sa famille là, que moi, Ablo Diassa, je dis, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, hein. Ablo, moi je sais que c'est pas encore fini. Mais Ablo, il arrive de moi qu'il faut savoir raison garder. Moi. Vraiment, tu souffres. On sent la souffrance en toi. Ablo, c'est que je suis prendre courage, tu as compris, non? Je te souhaite une soirée, Baboukier. Attends-toi.
c'est pas encore fini. Eh oui. C'est qui? C'est Plaque le noir. C'est qui? Bonsoir le boss. Oui. Toi aussi tu es noir dans la ville là comme ça, c'est l'homme. Oui, le vieux, c'est lui-même qui t'a vendu riz là. Ah, oh, c'est lui? Oui, c'est moi le Plaque le noir. Qui a vendu qui? Riz. Ah, c'est toi qui as vendu? Oui, c'est où moi. Ça? Non, tu sais, on avait envoyé assez de stocks dans le magasin, c'était rempli. On avait envoyé? Non, on avait beaucoup de riz. Ah, c'est quoi on a envoyé là? Voilà. Oui, on a envoyé, ouais. On a envoyé ça où? Non, c'est ça que vous avez payé là. Comment? Quand vous vendez riz, non? Ah oui, c'est que moi je vends là. Qui t'a donné? C'est Plaque le noir. J'ai allé pour payer dans la boutique là. Voilà, c'est lui qui t'a vendu. Ah, c'est toi qui m'as vendu là? Oui, c'est moi. Tu es noir, hein? Non, mais le mien, c'est ça. Je suis le seul Africain qui oui, c'est jeune là. Non, il y a jeune dedans, mais je suis effectivement noir naturellement. Mais on dit quoi? Bah, le vieux, ça va. Mais j'ai un projet qui va t'arriver. Projet? Oui. Projet, c'est quoi? Projet, ça dit affaires, business, commerce. Oui. Moi, voilà. Je n'ai pas affaire, pas problème. Bon, hein, commerce. Oui. Voilà, ça dit, actuellement, il y a des stocks qui quittent loin qui vont venir. Stock, c'est quoi? Ça dit, il y a des riz qui quittent loin. Ça vient dans les plusieurs remorques. Hein? Et puis, c'est le vrai riz. Riz local. Quand on dit riz local, là, c'est qui en cultive. Là. On cultive. C'est ça qui vient. Ça vient à l'avenir ici. C'est plus bon que ce que tu vends. C'est bon que pour aller Baba là. Oui, alors, pour aller Baba. Mais ça, faut me donner ça, il y a quoi? Mais faut me donner. C'est ça ici, bon te voir. Comme tu es mon vieux père, tu es un vieux que moi je respecte. Wallahi. Voilà. Tu vas me donner. Donc, le vieux, je te donne ça. Pour aller Baba là, on va le redonner. On va le redonner comment? Non, mais c'est pas encore. Mais il y a ce qui n'est pas bon. Non, mais tu n'as pas encore. Il ne faut pas dire on va le donner. Mais, tu es venu pour parler pour Ali Baba. Non. Parce que tu m'as dit que tu travailles pour lui. Non, Ali Baba, il n'est pas bon. Il m'a chassé. Il m'a chassé? Oui, après qu'il était vendu là. Il m'a chassé. Hein? Oui. Il m'a dit que non, moi je suis mauvais. Il m'a chassé. Les hommes coucou là. Le problème est compliqué. Il t'a dit, hein? Ouais, le vieux, c'est ça. Quand tu vois l'homme, il a cou, il a barbe comme ça là. Son vent devait sortir un peu là. Faut faire attention. Hein. C'est vrai, lui. Là. J'ai enlevé ce qu'on m'a fait. Tu me donnes l'argent, j'envoie le stock. Non, c'est toi qui me vois le stock d'abord, moi je te donne l'argent. Le kilo fait combien? Bon, là-bas, le kilo là. Ouais, l'autre là, tu m'as donné le kilo là, 700. 700, non? Oui. Mais le riz qui est là, c'est un bon riz. Un bon riz. Et puis le parfum qu'on prépare comme ça, ça prend tout le quartier. Le parfum? Oui, le parfum de riz là, c'est local. Tu vois, riz local. Oui. Ça peut faire même une semaine. Il y a l'eau dedans. Non, pas l'eau, ça se garde pas. Non. Quand on dit local là, c'est ce qu'on cultive ou bien on récolte directement. Tu me donnes le kilo comme. Bon, je vais te donner le kilo. 800. L'autre même, j'ai pris 700 francs. Mais l'autre, c'est pas bien bon. 800 francs? Oui. Ça va réfléchir. Non, le vieux, on a qu'à faire, même tu sais, les affaires, on ne dit pas. Non, je vais réfléchir. Tu peux pas. Bon, mais comme c'est toi, je vais te donner ça à 650. Non, moi, si tu me donnes 500 francs, c'est bon. 400. Il a dit 500, t'es venu à 400. Qui a dit 500? Tu sais, c'est pas moi. Non, le vieux, on n'a qu'à s'arranger. Hein? Tu gagnes, tu gagnes. 500, c'est bon. 400 est bon. 400. Non, le vieux, 500. Bon, moi, je vais réfléchir. Bon, le vieux, 400. Maintenant, je t'envoie quand? Demain, non? Oui. Tu es sûr? Maintenant, dès que j'arrive net, l'argent. Tu m'envoies combien de tonnes? Si tu veux même 1000 tonnes, je t'envoie. Mais le vieux, tu peux donner l'argent. Non. Il n'y a pas de problème. Merci, hein, le vieux. Oui, merci. Ah, il est parti. Merci, hein. Oui. Au revoir. Tant qu'à t'es. Tu vois, le là, il s'en nous. Nana Kafra.